contar contigo. Venez tous. Ah! Miranda ah. Allez, réjouis-toi, j'ai une excellente nouvelle pour toi. Oh, qu'est-ce qu'il y a? Quoi? On t'a appelé de la chaîne de pharmacie où tu as déposé ta demande d'emploi, tu te rappelles? C'est vrai? Oui, mais ils veulent te voir tout de suite. Alors il faut filer parce qu'aujourd'hui, c'est ton jour de chance, c'est moi qui te le dis. Tu sais bien que je n'aime pas emprunter de l'argent, mais c'est juste pour quelques jours, en attendant de recevoir le virement. Je t'en prie, Frédéric, tu n'as pas à me donner d'explications. Toi et moi, on est amis. Plus qu'amis. Tu es comme un frère. La personne en qui j'ai le plus confiance au monde. Et si tu as des problèmes, je t'aide. Sois tranquille. Et on se voit au club? Je vais déjeuner avec Raiza après le défilé. Ça te dirait de manger avec nous? Bien sûr, Léonard, bien sûr. Ce sera un immense plaisir que de passer un moment avec mon meilleur ami. Et sa superbe épouse. Oui, Grégory. Allô, madame? Écoutez, je suis avec les photographes, là, et ils menacent de faire un soulèvement. Comment ça? Ils vont prendre des photos des mannequins avant le défilé? Oui, ils veulent les assommer avec les flashs, ces petites. Une seconde, madame, une seconde. Dis-moi, chérie, juste une petite question. Tu as déjeuné aujourd'hui? Pourquoi? Ben parce qu'on dirait que tu as avalé un manche à balai. Ah. Ça ne va pas, ma chérie. Tu es trop tendue. Allez, relaxe. Détends-moi un peu ces muscles parce qu'on dirait la momie de Toutankhamon. Ouais. Allez les filles, c'est fini la récré, tout le monde à l'intérieur. Allez, toi aussi, vas-y marche. Allô? Allô? Mais, et Frédéric? Où est Frédéric? Il ne devrait pas être au travail normalement? Federico? Non, 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 ma chérie, non. Merci, merci. Tu sais bien que lui, il est juste bon pour prendre quelques whisky. C'est ça. C'est sa façon de faire des relations publiques quand le business est fini. Bien sûr. Ah, madame, je n'arrive pas à croire que vous ne le connaissiez pas. Vous savez comment il est. Un instant, madame. Eh oh, la fille aux fleurs! Je vais te dire un truc, moi. C'est pas possible. Je veux plus de couleurs. Plus de couleurs. Allez, plus de fleurs. Où sont les fleurs, là? J'ai demandé 5 camions de fleurs. Où sont les fleurs? C'est tout ce qu'il y a en fleurs? Pas possible. Ah, hein, les pastels sont par là. Oui, non, pas de pastels, pas de pastels. Je ne veux rien en pastel. C'est pas un anniversaire, c'est un événement de beauté. Je veux du doré. Ah, pourvu qu'on me donne ce travail, Yasmina. J'ai déposé tellement de demandes que je les compte même plus, t'imagines? T'en fais pas. Dis-toi bien que c'est ton jour de chance et tu verras. Aïe, on est arrivé. Ok. Eh ben, descends alors. Qu'est-ce qu'il y a? C'est pas possible. Attention, recule, recule. Mais qu'est-ce qui t'arrive, Miranda? Regarde, ma chaussure, je l'ai cassée. Ah, ça va, hein? C'est un signe. Quelle chance. C'est un signe de chance. Oui, quelle chance. Je m'apprête à chercher du travail avec une chaussure en moins. Regarde-moi ça. Mais quelle beauté! Tu vois que tu n'es pas à plaindre, ma chérie, c'était pour toi. Au revoir, belle-sœur. Ah, au revoir, belle-sœur. La belle-sœur, c'est aussi pour toi. Mon Dieu, avec une femme comme ça, je serai un homme. Qu'est-ce que je fais maintenant, tu me dis? C'est une fête surprise pour Raiza. Comme je ne peux pas passer son anniversaire avec elle, je voudrais la gâter avant. Moi, franchement, je ne me fais pas d'illusions. C'est la première fois qu'on m'appelle pour un travail depuis très longtemps. On t'a appelée et tu n'es pas n'importe qui. Tu es une étudiante en médecine, ma chérie. J'étais, Yasmina. Souviens-toi, j'étais. Non, non, non. Les livres coûtent très cher. J'ai une famille à entretenir, moi. Je n'ai plus le temps de rien faire maintenant. Et tu crois qu'une telle femme se contentera de ça? Ben, j'espère, parce qu'elle me reproche déjà d'être partie à New York et de l'avoir laissée... Mais faites attention, vous! Y ahora en tu piel vengo a esconder mis versos. Vengo queriendo ganarme tu alma. Aïe, aïe, quelle honte. Aïe. Pardonnez-moi, mademoiselle. Non, non, c'est de ma faute. Non, 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 nous aussi, nous étions distraits. C'est que je suis extrêmement pressée. Il ne vous manque aucun papier? Non. Bon, excusez-moi. Ah si, il me manque quelque chose. Ma chaussure. Ouh, jolie, n'est-ce pas? Comment ça, jolie? Je dirais qu'elle a cette chose indéfinissable qui te marque alors que tu ne l'as jamais vue auparavant. Qu'est-ce qu'il y a, cousin? Toi, tu es grillé de toute façon. Qu'est-ce que tu as? Et alors? Je suis marié, mais pas aveugle. Passe-moi la robe turquoise, je veux m'habiller. Je suis pressée. Toi, tu sembles oublier que je suis ta sœur et pas ta boniche. Et toi, tu sembles oublier que je t'entretiens. Qu'est-ce que tu attends? Cherche-moi la robe. Et plus vite que ça. Et tu la poses sur le lit, et tu files. Parce que je veux m'habiller en paix. Et en plus, je n'aime pas que tu entres ici. Et que tu t'immisces dans mon intimité. Et celle de mon mari. La vérité, c'est que cette femme t'a fait tourner la tête, dis donc. Et après toutes ces années de mariage, regardez-moi ça, c'est incroyable. Qu'est-ce qui t'arrive, hein? Qu'est-ce qu'elle a, hein, quoi? Tout ce qu'un homme désire et voudrait d'une femme. En plus d'être belle à tomber. Beaucoup d'espoir. Beaucoup d'optimisme, très envie de travailler et de croquer la vie. Mais qu'est-ce que je fais de tout ça? Si on ne me donne même pas la chance de commencer. Votre fils devrait faire des efforts, il est un peu perturbé en cours. Comment allez-vous? Salut. Quoi de neuf? Ça va? Alors, tu dis pas bonjour à tonton? Bonjour tonton, ça va? Le directeur du lycée me dit que tu continues à causer des problèmes, Saul. Qu'est-ce qui se passe maintenant? Rien, tonton. Ces mecs-là, c'est des escrocs. Bon, et Hidalgo, il fait toujours court là-bas? Oui, Alex aussi. C'est un tas de vieilles peaux anachroniques. On devrait tous les mettre à la retraite. Ce sont des professeurs expérimentés. Et s'ils font toujours court, c'est parce qu'ils connaissent leur métier. C'est pas facile d'enseigner, Saul. Je comprends ta position. J'ai eu ton âge. Et c'est pas facile d'accepter les règles, mais tu dois... Mais rien, tonton, rien. J'en ai marre d'être toujours le gars à problème. On m'a mis l'étiquette du pauvre petit orphelin qui a des problèmes parce qu'il a perdu son père et sa mère. Et si je me plains qu'il n'enseigne pas bien, ils disent que c'est que je veux attirer l'attention sur moi parce que je suis orphelin. Wow, dis donc, comme c'est beau tout ça. Comment tu t'appelles? Qu'est-ce que t'as? Qu'est-ce que tu regardes là, hein? Qu'est-ce que t'as? Comme c'est beau, ouais, c'est ça, ouais. Bouge, bouge. Princesse? Ma princesse, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui s'est passé? Ah, je sais, je sais. T'as pas eu le travail que tu voulais à la chaîne de pharmacie? Bon, mais ne sois pas triste. Écoute, assieds-toi. Viens, princesse, assieds-toi. T'en fais pas, t'en fais pas. Ça va aller, ma princesse. Je suis sûr que tu vas voir qu'on va encore t'appeler et tu vas même te retrouver avec deux boulots à la fois et tu sauras même pas lequel choisir. Tu crois ça, Manuel? Je pourrais croire n'importe quoi quand ses beaux yeux me regardent. Miranda, si tu faisais attention à moi, ne serait-ce qu'un tout petit peu. Et si on se mariait tous les deux, on s'en sortirait. Manuel, s'il te plaît, nous sommes une charge très lourde. Imagine, avec 3 femmes et la grand-mère Caïto. Non, 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 moi rien ne me pèsera si j'ai la joie de te voir heureuse tous les jours, ma princesse. Manolo, j'ai tellement de problèmes, je suis si triste, si accablée de tout, que je ne peux pas penser au mariage, voilà tout. Ah, ok, tu vas y penser quand? Quand tu seras une vieille décrépite et toute ridée? Laisse-moi te dire que, même décrépite et toute ridée, je continuerai à t'aimer quand même. De la même façon. Manolo, on va faire un truc. On va laisser faire le temps, d'accord? Pour que j'oublie, ouf, toute cette tristesse. Ah, mais comme c'est romantique. C'est comme ça que je t'aime. Espèce de coureur de jupons. Encore en train de flatter cette sale enfant gâtée. Quelle chance, ma femme n'est pas encore partie. Ah, bonjour mon chéri, mais je suis énervée, parce qu'à tous les coups, les fleurs sont livrées en retard. J'aurai un mannequin non épilé, et comme d'habitude, je ne peux rien déléguer. Je dois tout faire toute seule. Attends. Et si on commençait à fêter ton anniversaire dès maintenant? Non, 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 non. Ni l'un ni l'autre. Parce qu'en fait, je suis très fâchée contre toi. Parce que tu pars à New York. C'est impardonnable. Et en plus, c'est la première fois que tu me laisses toute seule. Alors je crois que tu vas devoir faire quelque chose de très, très grand pour te racheter. Écoute, Julie, on va mettre ça au clair. Moi, je veux pas de toi et je ne voudrais jamais de toi. T'as une petite mémoire, hein? Et l'autre soir, alors? Ah, tu vas oser me dire en face qu'on n'a pas couché ensemble? Non, enfin, tais-toi, qu'est-ce qui te prend, là? Mais Julia, t'as vraiment aucun amour-propre ou quoi? Parle pas comme ça, que va croire Miranda? Une surprise? Laquelle? Où ça? Quoi? C'est un secret d'instruction. Ah, non, bon, c'est bon, c'est bon. C'est bon, je ne demande plus. Mais par contre, ne reste pas trop longtemps à New York. Et attention aux Américaines, qui sont très très ouvertes. Parce que si jamais tu me trompes, je te tue. Ok? Je ne suis pas capable de te tromper et tu le sais. Mes amours, s'il vous plaît, vous me froissez, je dois partir. Allez, calmez-vous. Tu vas travailler. Bisous, bisous. Soyez sages, les enfants. On se voit au club pour déjeuner. J'ai invité Frédéric. Ok, d'accord. Soyez sages. Take care. Bye bye. Ciao. Toi aussi. Ça chatouille. Papa. Je dis la vérité. Tu as dormi avec moi dans mon lit. Il fait 1,85 m de large sur le côté droit, t'as entendu? Alors mets bien les pieds sur terre, crève la faim. Non, Manolo. Eh ben, je m'en vais. Attends, okay. Elle va... Ah ouais, elle se prend pour une petite doctoresse. T'en fais pas, ma belle. Tais-toi, t'habites dans un quartier pauvre, quand même. Tais-toi. T'es vraiment pas mieux que les autres, figure-toi. Te dis que la fermée, t'es devenue folle? Folle? Oui, tu vas me traiter de folle quand je mettrai le feu à ce kiosque si tu continues de faire l'imbécile avec la Valadares. Ça t'a pas intérêt, Julie Bastardo, t'as pas intérêt. Et sache pour ta gouverne que j'aime Miranda. En plus, en ce moment, j'aime vraiment pas les femmes ordinaires comme toi, alors tu vois... Ça sert pas à grand chose de te déguiser parce qu'on te verra toujours comme une garce. Qu'est-ce qu'il y a? Comme d'habitude, on ne m'a pas donné l'emploi. Ah. Encore une porte qui se ferme. Je te jure que... Je ne sais plus quoi faire. Je ne sais pas ce qu'on va manger dans cette maison demain, ni comment je vais acheter les médicaments de grand-mère. Ah, c'est pas marrant et je dois te parler d'un autre problème, regarde. Ah bon? On a reçu ça aujourd'hui de la gérance. Encore un rappel, hein? Ah, comme si je me rappelais pas tous les jours qu'on doit payer le loyer de la maison. La seule chose que je fais, c'est de penser à ça. Quoi? Lolita. Ah mon Dieu. Quoi? Ils l'ont transmis au département juridique. Le problème, c'est que normalement, tu es censé t'occuper de la presse et des sponsors. Et on dirait bien que tu as tendance à l'oublier, Frédéric Caraval. Du calme, Raiza. Je vais donner une touche technique aux préparatifs. Mais n'oublie pas que j'ai aussi un programme d'entraînement à remplir avec le club. Ah, bien sûr. Et tes élèves te réclament. Eh bien, permets-moi de te rappeler quelque chose, mon cher. Si tu travailles dans mon entreprise, c'est grâce à la longue amitié que tu as avec mon mari. Mais un de ces jours, je pourrais oublier ce minuscule détail et te virer de mon affaire. C'est clair? Alors je te retrouve là-bas. Et moi, un jour, je vais oublier que tu es la femme de mon grand ami Leonardo. Et alors, je vais te faire trébucher, Raiza, sur mon terrain. Mais non, Yasmina. Je n'ai pas eu l'emploi. C'est comme si j'étais rayée de la carte. Ah, ma chérie, avec les bonnes références que tu as. Oui, mais j'en suis toujours là. Des dettes jusqu'au cou. Je ne comprends pas, tu sais. Je me tue à bosser. Je suis vraiment entreprenante. Et malgré tout ce que je fais, je n'ai pas assez d'argent pour vivre. Et je dois bien vivre. Alors bon, je prends ici pour mettre là. Hein? Je fais des dettes pour en payer d'autres. Mon Dieu, je n'ai plus aucun espoir. J'ai même perdu l'amour de ma vie. J'étais sur le point de me marier. Et en une seconde, tout s'est fini. Oui, c'est triste que Dario soit mort dans cet accident. Je ne sais pas, Yas. Je ne sais pas si c'est Dario qui est mort au Costa Rica, si ce cadavre calciné était le sien. Parce que tu refuses de l'accepter, Miranda, mais c'est la vérité. Écoute, nous savons tous que Dario était le grand rêve de ta vie, l'homme avec qui tu te serais mariée aujourd'hui, mais enfin il est mort. Et pour l'amour de Dieu, tu dois l'accepter. Oh, ma chérie, je croyais que tu commençais à t'en remettre. Je l'aimais, Yas. Je l'aimais vraiment beaucoup. Je sais que plus jamais je n'aimerai quelqu'un de la même façon. Alors, on peut compter sur un groupe de musique. Tu es d'une efficacité, Rita. Ça va être une fête grandiose. Merci. Tu parles d'une fête ? De quelle fête parles-tu, Leonardo? Baisse la voix, grand-père. Ah. C'est une fête surprise que je vais faire pour Raiza pour son anniversaire. Hier? Bon, on peut tous se comprendre, hein? Et je me suis dit, Miranda, les banquiers sont aussi des gens avec des sentiments et des souffrances, n'est-ce pas, monsieur Aristimuño? Et en ce moment, ça va vraiment mal et ce prêt, pour moi, ce serait une bouffée d'air frais. Bon, pour le moment, vous allez voir, vous devez commencer par remplir ce formulaire. C'est aussi facile que ça? Bon, vous ramenez les documents et si tout est en ordre, vous devriez voir votre crédit approuvé en 15 jours environ. Ah, les documents. Oui, le titre de propriétaire du logement, de la voiture, des biens, pour garantir la somme à demander. Oui, monsieur Aristimuño, je comprends. En fait, je n'ai pas de voiture ni de biens, je n'ai que des problèmes. Mais bon, de toute façon, merci pour votre temps. Sans mes problèmes, je ne serais pas là. Vous au moins, passez une bonne journée. Au revoir. Tu es chaque jour un peu plus fou de cette femme. Oui, cela se voit trop, tu sais, mon petit, c'est moi qui te le dis. Il faut que tu fasses quelque chose, la corde ne peut pas être trop longue, raccourcis-la. Je sais qu'il faut donner à la femme des petites doses de miel, bien sûr. Mais de temps en temps, il faut lui en donner une qui a mauvais goût. Mais il faut le faire parce que c'est justement la clé du succès. Grand-père, je suis fou de Raiza. Et c'est plus fort que moi. Et la seule qui a donné des doses de miel dans cette maison, c'est elle. Et je suis comme une abeille dans la ruche. C'est la femme parfaite, fidèle, loyale. Et elle m'a donné 2 enfants merveilleux. Que demander d'autre? Bon, je vais te dire une chose. Si tu veux, tu le prends comme un conseil. Tu as entendu parler du diable, n'est-ce pas? Celui qui est en enfer, le propriétaire de l'enfer, celui qui a des cornes, n'est-ce pas? Eh bien, le diable sait plus de choses grâce à son âge que parce qu'il est le diable. Ne l'oublie pas. Bene, bene. Dis-moi, tu ne vas pas m'inviter à cette fête? Bien sûr que si, grand-père chéri. Nous serons tous là. Il ne manque que mon père qui est tellement têtu qu'il n'a pas voulu avancer son retour de voyage. Ma chérie, comment c'était? C'est Raiza. Comment ça s'est passé? Fantastique, fantastique mon amour. Oui, les journalistes étaient impressionnés et les clients ont dit des merveilles du défilé. Et moi aux anges. Oui, oui, moi aussi je t'adore mon amour. Ah oui, lui aussi il est là, Frédéric est là, oui. On t'attend. Je t'embrasse. On peut savoir ce qui t'arrive, toi? T'es devenu fou ou quoi? Ah, mais c'est madame de Lombardie. Pardon madame, pardon, mais c'est que tu étais dans une pause qui, franchement, qui ferait chavirer l'essence de n'importe qui. Et tu étais si provocante, si sensuelle. Et si absolument interdite pour toi, n'est-ce pas? N'oublie pas, mon cher, que je suis une femme mariée. Et ça te dérange qu'on voit 2 bons amis en train de se saluer? Ça dérange mon mari. T'inquiète pas. Leonardo ne serait jamais jaloux de moi. En plus, je vais te le dire clairement, Raiza. Toi, t'es beaucoup trop canon pour passer inaperçu même pour le meilleur ami de ton mari. C'est que t'es tellement transparent. Tu passes ton temps à me déshabiller des yeux. Tu me désires jour et nuit. Tu crois que je ne le sais pas? Tu crois que je m'en rends pas compte? Mais laisse-moi te dire quelque chose. Tu te trompes complètement. Parce que mon mari, je ne l'échange pour aucun autre. Lâchez-moi, Rimena! Ah! Comment allez-vous ce matin, Salvador? Ça va, je me suis réveillé, c'est déjà ça. Regarde-moi ça, tu es un irresponsable, regarde l'heure qu'il est. Tu as de la chance, tu sais pourquoi? Parce que j'ai rendez-vous chez un médecin. Parce que si c'était avec une femme, ça fait longtemps que je t'aurais mis un coup de pied là où tu sais. Lâche-moi, infirmière, lâche-moi. Ah, ça fait du bien de vous voir aussi en forme, Don Salvador. En forme? La seule chose chez moi qui soit en forme, c'est la dignité. Et partons d'ici avant que ces 2 perruches finissent par me la ficher en l'air. Partons. Dites-moi, lequel des médecins nous allons visiter aujourd'hui? Le cardiologue, l'urologue ou le traumatologue? Non, on va chez le sexologue. Qu'est-ce que tu en penses? Alors allons-y. Allons-y. Allez, bon, où est-ce qu'on va? On va chez le docteur Mijares, voir s'il me prédit encore 2 ou 3 jours de vie, on ne sait pas. Oui. Ouh. Don Salvador, vous ne pouvez pas me dire que la femme qui est là en ce moment n'est pas un vrai spectacle, là. De qui tu me parles? Fais bien attention à celle-là, c'est la sœur de Lorena Bobbitt, celle qui a émasculé son mari aux États-Unis. Aïe. Bon, on y va. Je peux te garantir qu'avec cette femme, j'ai gagné le gros lot. C'est pour ça que je regrette tant que ce voyage ait coïncidé avec la date de son anniversaire. Du calme, Leonardo, t'en fais pas. Tu sais, tous tes bons amis seront là. Et on fera tout pour que ta femme passe une si bonne journée que tu ne lui manqueras pas. Pas à ce point non plus, hein. Je sais que je vais lui manquer. C'est pour ça que je lui réserve une petite surprise. Mais enfin, c'est quoi ça? Désolé, pourquoi vous rentrez comme ça, comme si... Mais ah, je vous ai dit 1000 fois de ne pas rentrer ainsi. Ici, c'est la maison de femmes décentes et travailleuses. Oui, mais un instant, qu'est-ce qui se passe? Qui sont ces messieurs-là? Non, ne demande rien. C'est vous, mademoiselle Miranda Valadares? Pardon, oui, c'est moi. C'est à quel sujet? Bon, mademoiselle, nous devons vous notifier que vous avez 48 heures pour abandonner l'appartement où nous allons devoir vous déloger par le biais d'un tribunal. Tenez. Faites voir. Oh, ma fille. Grand-mère, grand-mère, aidez-moi, tiens-la, oh, tiens-la. Grand-mère, ça va? Prends-la par les jambes. Purita est en train de te préparer de bonnes céréales pour ton petit déjeuner. Ah, et en plus, tu as meilleure mine aujourd'hui, hein? Oui, mon amour. Grâce à ton ami le docteur. Georges, oui. Ah, Georges a le cœur sur la main. Ouf. Je sais pas comment tu n'as pas mis le grappin dessus à l'université. Beau comme il est. Grand-mère. Tu sais, Georges et moi, on est bons amis. Ah. Mais je t'ai fait rire. Ton sourire, tu sais, il me rappelle de bons souvenirs. Je sais. Le sourire du grand-père, Dieu et son âme. Oui. Ton grand-père, qui est là-haut. Qu'est-ce que vous en pensez, Don Salvador? Hein? Une famille entière, sans maître de maison, sans un homme. Imaginez qu'il y a même une petite vieille malade là. Et la seule qui étudie, la seule qui peut apporter quelque chose n'a pas de travail. Et elle passe son temps à gratter un sou par-ci, un copec par-là, en s'occupant de petits vieux ou d'enfants pour gagner quelque chose. Dis donc, qu'est-ce qui t'arrive? Tu t'es levé d'humeur tragique aujourd'hui? Qu'est-ce qui t'arrive, dis-moi? Mais c'est une tragédie, Don Salvador. Une tragédie, c'est pas une blague. En plus, on est venu du tribunal pour les déloger de l'appartement qu'elles sont en train de louer. Et ces gens sont tes voisins? Oui, depuis toujours. C'est un peu comme ma famille. Oh. On vit dans cet immeuble. Montre? Voyons. Ah oui, de quoi? Mais cet immeuble est celui... C'est celui... Non, 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 il faut que j'appelle immédiatement l'avocat. Mince alors, Germaine doit aider ces pauvres gens. Cet immeuble est à nous. Quoi? Oh, nom du ciel, non mais enfin, quelle façon tu as de freiner! Tu te souviens de Laetitia, celle qui travaillait avec moi à la banque? Ah oui, pourquoi? Eh bien, c'est elle qui m'a trouvé le napperon avec le petit tigre qui est sur la table. Tiens, voilà. Merci, Yas. Eh bien, en fait, maintenant, elle est responsable des banquets dans un club, ma chérie. Ah, d'ailleurs, elle a besoin de serveurs pour ce soir, Miranda. Oh, je ne serais pas capable de me déguiser en serveuse. Ah, écoute, t'as pas à te déguiser. C'est un travail d'homme et de femme. Je vais y aller. Ah, Miranda, inscris-toi et viens avec moi, allez. Et c'est bien payé? Bien sûr, allez. Ah, franchement, si c'est bien payé, mais qu'est-ce qui m'arrive? Il faut que je remplisse le frigo de ma maison, moi. Je me suis déguisée en arbre, en poussin, j'ai lavé des voitures. Qu'est-ce que ça peut me faire de me déguiser en serveuse? Bien sûr que ça m'intéresse. Je viens avec toi. Qu'est-ce qu'elle t'a fait, Léonard? Je me sens ensorcelé par cette femme. Je t'aime, Raiza. Je t'aime. Excuse mon assurance, mais j'ai bien l'impression que tu penses à moi. Ton assurance a le droit de te faire penser ce qui lui chante. Tu es la femme la plus belle du monde entier. Joyeux anniversaire! Joyeux anniversaire! Joyeux anniversaire, Raiza! Joyeux anniversaire! Merci! Ouais, merci! Est-ce que tu as vu le gars qui offre la fête? Oui, oui, oui. Quel homme, ma chérie, il est vraiment séduisant! Oui, il a de la classe, ce type. Je ne sais pas pourquoi sa tête me dit quelque chose. Les riches, on croit toujours les connaître. Et sa femme, elle est belle, elle est très grande. Et chanceuse en plus, n'est-ce pas? Avec le corps qu'elle a et le mari qu'elle se paie, elle n'a pas de problème dans la vie, elle. Ah, allons travailler, ma chérie. Ça va, on y va, ne me presse pas. Et alors, Leonardo, tu vas me laisser féliciter et embrasser ta superbe et magnifique épouse? Juste parce que c'est son anniversaire ce soir, et parce que tu es mon meilleur ami. Allez! Ma chère Raiza, joyeux anniversaire. En avance. Je ne me lasse pas de regarder Lombardi. Il me donne envie de le garder en souvenir et de ne le sortir que pour les grandes occasions, tu crois pas? Oui, Yas, allez, marche et travaille, bon, marche et travaille. Ah. Avance. Ah oui, madame. Ma chérie, beaucoup de petits secrets. Ah, Yas, toi t'es vraiment bizarre, hein? Regarde. Elle, c'est une grande dame, et c'est sûr que lui, c'est un ami proche, très proche, et rien d'autre. Aujourd'hui, tu es plus belle que jamais, Raiza. Ton mari ne t'a pas dit ça? Il n'a pas besoin de me le dire. Je le sais. Ça ne te suffit pas de le rendre fou, lui, n'est-ce pas? Raiza, tu aimes aussi tous nous rendre fous? C'est ton problème si tu aimes souffrir pour ce qui est aux autres. Mais fais attention parce que tu mets en jeu une amitié qui a beaucoup trop de valeur. Et quand j'ai dit de valeur, je pense littéralement à toutes les faveurs économiques de mon petit mari. Que tu pourrais perdre en un instant si jamais Leonardo en venait à suspecter tes intentions vis-à-vis de moi. Non, non, non. Cela n'y pense même pas, ok ? Allons plutôt danser, chère madame. Je vais voir là-bas ce qui se passe. Excusez-moi. Vous pourriez me le remplir? Bien sûr, absolument. Ah, tenez. Merci. Excusez-moi, on se connaît? Ben non. En fait, c'est... Mais oui! Tu es la fille avec qui j'ai eu l'accident dans le centre commercial. Oui! Ah, c'est vrai, c'est pas possible. Quelle honte, mon Dieu, quelle honte, vraiment. Oh, excusez-moi. C'était pas mon intention. La vérité, c'est que je... Mon amour, c'est ma vie. Pardon. Mon amour, que dit la reine de ce soir? Que je meurs d'envie de danser avec toi. Excusez-moi. Tu m'excuseras, mais je n'arrive pas à apprécier ta belle-sœur. Et je ne le dis pas parce qu'elle s'est interposée entre Leonardo et ma sœur Sonia alors qu'ils allaient se marier. Oui, mais si tu veux la vérité, j'ai des relations avec Raiza pour mon frère. Mais à mon goût, Claudia, elle me semble être trop coquette pour une vraie dame. Cette femme ne m'inspire pas confiance. Tu me fais monter au 7e ciel. Merci, mon ange, pour ce petit morceau de ciel. Je lui ai fait un tableau bien dramatique. 3 femmes seules, dont une petite vieille qui était vraiment très malade. Ah ouais, d'accord. Enfin, alors, tu vois le genre. Bon, et à ce moment-là, le vieux, c'est celui qui est là. Celui avec la moumoute, là. Ah, dis donc. Ah zut, c'est malin, je vais avoir un fou. Non, t'as intérêt à bien te tenir. Comment va mon docteur? Miranda, voici monsieur Germán Estevez. C'est l'avocat des entreprises Lombardi et en plus est un client de la compagnie de taxi où je travaille. Enchanté, mais il me semble que je vous connais déjà, jeune fille. Ah bon? Et d'où ça? Moi? Mais bien sûr, bien sûr. Ah, c'est pas possible. Vous êtes le monsieur qui était à la fête du club où j'étais avec Yasmina en train de servir les tables. Ah, mais comme oui. Le monde est petit. Spectaculaire, mon amour. Bien sûr qu'elles m'ont plu, les fleurs que tu m'as envoyées. Laisse les fleurs, d'accord? Elles sont fantastiques. C'est moi qui suis enchantée. Merci de votre aide, monsieur. Mais bon, asseyez-vous, je vous en prie. Oui, asseyez-vous. Je t'en prie. Bon, je crois que celui que vous devriez remercier, c'est mon grand-père. C'est lui qui vous a défendu pour faire cette entrevue. Et en réalité... celui qui pourrait vous aider pour ce problème, c'est mon cousin Leonardo, qui est en voyage à New York, mais il rentre demain, alors je pense qu'on pourrait d'ores et déjà s'avancer un peu, vous ne pensez pas? Oui, bien sûr, comme vous voulez. Dites-moi seulement par où commencer. Qu'est-ce que tu dirais de commencer par... nous tutoyer? Je regarde une carte d'anniversaire que m'ont envoyée Carlitos et Karina par courriel. Les enfants, dites bonjour à papa. Je vous fais un bisou, les enfants. Et toi, tout mon désir de t'embrasser partout, mon amour. Je te souhaite de bien t'amuser. Je te promets, mon amour, que demain, on va se rattraper. Jure-le-moi. Oui. Psst. Ah. Si demain, on passe toute la journée au lit... quel délice. Super. J'adore. Moi aussi, je t'aime beaucoup, mon amour. Mon roi. Je t'envoie des bisous. Mouah, mouah, mouah. Qu'est-ce qu'elle va prendre, la reine en chaleur? Je n'ai pas faim. Et sors de ma chambre. Oui. Ta chambre, ton mari, ton anniversaire, tes amis, bien sûr. C'est toi qui es la reine. Et toi, une sorcière jalouse, qui n'a pas de maison, ni de mari, ni d'amis. Fabiana, pourquoi tu ne te cherches pas un homme pour t'enlever toute cette amertume? T'as pas intérêt! Parce que je vais oublier que tu es ma demi-sœur et tu vas finir par perdre. Ah bon? Dis-moi ce que tu vas faire? Tu vas me jeter de cette maison? Ah, Fabiana, ça se voit que tu ne me pardonneras jamais que je me sois mariée avec l'homme que tu voulais pour toi. Mais laisse-moi te dire une chose, ma chérie. Si tu vis ici, c'est parce que tu me fais de la peine et que je le veux bien. Mais un de ces jours, je vais en avoir marre. La vie réserve beaucoup de surprises, Raiza. On va voir laquelle de nous deux va partir en premier. Bonne journée. Hystérique. Qu'est-ce qui se passe, Miranda? Rien, grand-mère, rien. C'est quoi ces sirènes? Rien, rien, ne t'inquiète pas, allons nous coucher. Allez, viens. Dis donc, tu penses pas que les hommes du tribunal viennent nous évacuer avec l'aide de la police? Non, grand-mère, viens, assieds-toi ici avec moi. Non, non, ici, écoute. Pour que tu arrêtes de t'inquiéter, j'ai une bonne nouvelle pour toi. Cheo m'a emmené voir un monsieur qui est avocat aujourd'hui. Un avocat? Il est devenu fou, cet homme. Les avocats se font payer très cher. Avec quoi on va le payer? Non, grand-mère, écoute. On a un ange qui nous est tombé du ciel. Et en plus, tu sais quoi? Ben, cet ange est le cousin du propriétaire de l'appartement. Merci. Du champagne. J'adore le bon champagne. Ah. Mais ne reste pas là. Pourquoi tu ne te sers pas à boire? Et toi, apparemment, t'as commencé à boire de bonne heure, n'est-ce pas? Je n'ai pas d'autre choix que de le fêter seule. C'est drôle, non? Une femme avec autant de prestige et mariée à un homme parfait comme Leonardo Lombardi, qui fête son anniversaire toute seule. Dommage que je n'ai pas eu le plaisir de t'accompagner. Mais il n'est jamais trop tard. Alors ? Trinquons à la plus belle femme qui fête son anniversaire aujourd'hui. Et à mon mari. Bien sûr. Mon cher ami Leonardo. Le grand absent. Merci, capitaine Marquez. À la prochaine. Au revoir. Merci. Ah, Leonardo? Sonia! C'est pas possible. Mais comment vas-tu? Ah, franchement, je trouve que tu es toujours aussi beau que quand nous étions fiancés, toi et moi. C'est bon signe, ça veut dire que ça marche bien avec ta femme. Bon, je suis très fier de pouvoir te dire que je suis un homme marié et heureux, qui a en plus 2 enfants merveilleux. Je suis vraiment très heureuse pour toi, Leonardo. Tu le mérites, hein? Moi, par contre, je me suis mariée, mais ça n'a duré que 2 ans, j'ai divorcé. Mais là, je suis vraiment heureuse d'être de retour dans mon pays. Alors, si un jour tu as envie de te retrouver avec les vieux copains d'école, tu sais bien où me retrouver. Merci beaucoup. Ça m'a fait plaisir de te voir. Moi aussi. Bon, le chauffeur m'attend. Bonne chance. Ciao. Ciao. Tu es la dernière personne que je m'attendais à voir aujourd'hui. N'oublie pas que Leonardo m'a chargé de veiller sur sa famille. Ah, mais les enfants sont déjà en train de dormir. Merci de veiller sur moi. C'est un plaisir. un vrai plaisir. Excuse-moi, mais je n'ai pas eu le temps d'acheter un cadeau plus approprié. Mais j'ai une petite idée. Pour faire que la femme de mon meilleur ami passe une soirée inoubliable. Leonardo, mon amour, merci. Je t'adore. Moi aussi. J'arrive à temps pour ton anniversaire, mon amour. Tu vas avoir une grande surprise. Bonsoir. Vous êtes du tribunal. Vous venez pour nous déloger. Le délai est dépassé, mademoiselle. Vous voulez dire que... Que nous avons un ordre du tribunal pour rendre effective la décision d'expulsion. Raiza? Mon amour? Tu ne devineras jamais. Leonardo ? Vengo del agua que el tiempo oscurece, de esas miradas que ya ni se miran. Vengo queriendo colgar en paredes